Cookie Garage. Finalement, j'ai réussi. Regardez. Alors la technique, c'était quoi? C'est j'ai vissé deux vis. D'accord? Et après, je l'ai extrait avec une pince, simplement. Je me suis servi de levier avec un tournevis. Et le joint est sorti. C'est le premier joint que je sors aussi facilement. Les autres, je galérais. Alors j'y allais avec des vis et je mettais pas mal de temps. Sans l'outil, c'est assez difficile. Et surtout en faisant attention de ne pas abîmer le carter de boîte. D'accord? Car il ne faut pas oublier que c'est de l'alu. Ça marque facilement. Tu t'appuies dessus, tu le rayes. En plus, à l'endroit où il y a le joint, là, si tu rayes ici une partie, là, il y aura toujours une fuite après. Tu peux mettre n'importe quel joint. Faire attention de ne pas endommager ça. Donc là, vous voyez, c'est bien sorti. C'est propre. Je vais pouvoir remettre l'autre et continuer la restauration de cette boîte 4 de 1970. Vraiment content. Voilà pour la petite astuce, ok? Petite vis, tirage et le joint sort. Allez, abonnez-vous et partagez.